valise. Ah, oh, si t'avais vu ça. Tu l'as vu, toi? Non. Bah, ah, vous, ça fait pitié de voir un fainéant pareil. Oh, je travaille pas, ouais. Mais qui c'est qui reçoit qu'à ramener sa pièce de 100 balles à sa petite femme? C'est peut-être Dash. 100 balles, mais parce que tu les avais trouvées par terre. T'es trouvé ou pas trouvé, t'es toujours emporté 100 balles. Oh, t'as la reine que j'ai une jolie voix et que je chante dans les cours. Oh, oh, j'ai une petite bête que tu chantes dans les cours. Mais pour ce qui est de la voix, est-ce que j'ai du chasse, mais vous passez, hein? N'empêche que c'est moi qui fais marcher le ménage. T'as pas honte de te faire nourrir par une femme? Eh, hey, ma vieille, il n'y a pas ma croix qui veut. Hein? Quand je pense que j'aurais pu être une dame. Tu te prends pour un homme? Une dame que je te dis, c'est pas une femme. Tu saisis la nuance? Oh ben moi, les nuances, tu sais. Hein? J'aurais pu être riche, aimée, avoir une bagnole. Aïe, maître d'hôtel! Ouvrez la fenêtre, madame, assieds-moi un peu. Ça va, tu peux chanter. J'aurais été cajolée, acidulée. Acidulée, je... On dit adulée. Acidulée, c'est les bonbons. Madame m'aurait mal rebuté. J'aurais fait des soupers fins. Au lieu de ça, on casse la croûte sur un mort. Oh, mais de quoi te plains-tu? Hein? À la terrasse, avec l'orchestre. Tiens, demain, si t'es bien sage, je t'amènerai à dîner chez l'Angers aux Champs-Élysées. Enfin, sur le banc d'en face. Allez, viens te coucher, ça vaudra mieux. Mais tant que tu permets, j'ai terminé mon hospice de baume. Je gagnerai 5 millions. Ah, pour ce que ça coûte, vaut mieux prendre le boulot du fait, ouais.
coque. Alors là, j'ai la pâte, je veux bien. Mais les poules et les coques, oh, ça gueule le matin. Et moi, je vois comment elle est le matin. Je vois ce qui me plaît. C'est toi ou moi qui nous s'améliore. C'est entendu. Et puis les domestiques, comme s'il en pleuvait. C'est ça. Avec une femme de ménage pas trop bocard que sur le matin. Les domestiques, ça coûte cher. J'ai le droit de manger mes 5 millions quand je veux, ils s'entendent moi. Ah ouais, d'accord. Mais je disais ça par souci d'économie, moi. J'ai 5 millions et tu veux que je fasse des économies? Tu me ferais une voiture avec un chauffeur en livrée noire. N'habite pas ton chauffeur en noir, ça fait tric. Prends quelque chose de dans les roses tendres, c'est plus gai. Moi, je veux bien, moi. C'est moi qui paie ou quoi? Comme des toilettes, qu'est-ce que je me verrais? Robe de dimanche, aussi haute couture en semaine que dimanche. Et quand je descendrai de voiture, la porte ouverte par mon chauffeur, en livret noir. Ah, mais non! Je te dis, n'habite pas ton chauffeur en noir. C'est drôle que ça t'échappe des petits détails comme ça. T'as tout ce qu'il faut pour faire une femme élégante et tu me gâtes tout par une faute de goût. Grosse tente, que je te dis, grosse tente. Non, moi je viens voir, c'est moi qui commence. Oh, mais ne te fâche pas, je t'aime bien, tu sais. Oh, je sais, moi. Moi, t'es mon intendant. On couche bien ensemble? Mais si! L'intendant, ça couche toujours avec la patronne. Ah, non, tant pis. Une belle maison. Ah, une belle maison. Une belle voiture. Une belle voiture. Des belles robes. Des belles robes. Oh. Un beau chauffeur. Un beau chauffeur. En livrée noire. En livrée noire. Non. Je ne veux pas la livrée noire. Noir, que je te dis. Rose, que je te dis. Noir. Oh. Noir. Oh. Noir. Ton belle de la main, je veux une mignonner. C'est de bonne pardon. Comme t'es gentil, ouais, quand même. Je tiens plaisir. On les mettra les galons roses. C'est ça. Beaucoup de galons roses. Ah, jamais j'aurais cru qu'on puisse être riche un jour. Je suis romancienne, me l'avait dit. Ouais, mais ça y est pas encore. Mais on a tout ce qu'il faut pour ça. Je vais voir ton billet. Non.